soit les polynômes p de x et q de x. Calcul petit a p de x plus q de x et petit b 2 fois p de x moins q de x. Au petit a, il suffit d'additionner ces deux expressions algébriques. Pour ce faire, on peut mettre les puissances respectives les unes en dessous des autres, mais ce n'est pas une obligation. Regardons d'abord les termes en x exposant 4. Il n'y a que ce terme-là, donc on le recopie. Maintenant, les termes en x au cube. Il y a ces deux termes-là, et 5x au cube plus x au cube, ça fait 6x au cube. Ensuite, les termes en x au carré, moins 3x carré moins 3x carré, ça fait moins 6x au carré. Ensuite, les termes en x, il n'y a que celui-là qu'on recopie. Et puis, les termes indépendants, moins 1 plus 2, ça fait plus 1. Passons maintenant au petit b. Nous cherchons 2 fois ce polynôme p de x moins ce polynôme q de x. C'est-à-dire, nous cherchons ceci. Là, nous distribuons partout le 2. Et ici, nous pouvons laisser tomber ces parenthèses en opposant tous les signes à l'intérieur de ces parenthèses. Ainsi, nous obtenons 6x exposant 4 plus 10x au cube moins 6x au carré plus 2x moins 2. Ensuite, ici, nous obtenons moins x cube plus 3x carré moins 2. Maintenant, il suffit d'additionner les puissances respectives. Il n'y a qu'un seul terme en x exposant 4 que nous recopions. Maintenant, les termes en x au cube. Nous avons celui-là et celui-là. 10x au cube moins 3x au cube, ça fait 9x au cube. Ensuite, les termes en x au carré. Nous avons moins 6x carré plus 3x carré, ce qui fait moins 3x au carré. Les termes en x, il n'y a que celui-là, plus 2x. Ensuite, les termes indépendants, nous avons moins 2, ce qui fait moins 4.